Bonjour, bonsoir, bonne nouvelle ici et bienvenue sur cette découverte de Le Monde Oublié Prologue. C'est la démo du coup qu'on va tester. Oui, je suis désolé, la musique va et vient, c'est parce que je fais des alt-tab et ce jeu n'aime pas le alt-tab. Donc ce jeu est un jeu, comme vous pouvez le voir, chinois. Et c'est un jeu qui est sorti aujourd'hui, donc enfin la démo en tout cas, le prologue est sorti aujourd'hui, donc 22 mars 2024. Il a été développé par Mutoy Games. Ah oui d'accord, les jeux de chat. Et édité par BD Games. Apparemment c'est un jeu solo, casu, anime, combat avec des cartes. Oh cool, on va combattre avec des cartes. Bah, ça tombe bien un peu, on est un peu dans le mood. En ce moment on est dans l'ambiance balatro, hein. C'est la tendance actuelle, tout le monde joue à ça, alors que c'est absolument pas un jeu à streamer, mais tout le monde le fait. Alors du coup j'ai envie de dire, quelque part, on fait le Twitch game. Donc bah écoutez, on va découvrir ça, apparemment c'est un jeu qui a été traduit du coup en français, c'est vrai qu'il a été traduit dans beaucoup de langues, donc je crains un petit peu la traduction. Mais on va découvrir ça, et oui, comme d'ailleurs on me l'a dit dans le chat, c'est une référence à Alice au Pays des Merveilles. Allez, c'est parti, Le Monde Oublié, entrée. Alors visiblement, tout n'a pas été traduit. Parce qu'ils ont traduit le nom de mon personnage, mais pas le texte à côté. Alors c'est pas du chinois, c'est du coréen apparemment. C'est du coréen ça. Ah, problème donc. Problème. Bon bah écoutez, visiblement, le chat fantôme parle. Et il répond en espagnol. Mais c'est même pas de l'espagnol espagnol. Azul. Azul, c'est bleu. Cette configuration pour Armadura, je sais pas. Arrasté, Akarta, Paraganyar. Ah non, même pas, c'est du portugais. NH. Gagnard. Oh putain, j'espère que vous vous accrochez bien. Hein. Parce que ça va envoyer, je sens. Ah, il veut que je fasse quelque chose. Doubler le point. Match chef. Attendez, je vais me mettre autre part. Je vais peut-être me mettre en bas à droite. Voilà, vous voyez pas le chat, mais au moins vous voyez tout le reste. Je crois que tu devrais y jouer en anglais. Ah, c'est une bonne idée, ça. C'est quoi, attends, on va redémarrer le jeu. Peut-être qu'en effet, en anglais, tout sera traduit. On va voir. Hein. Bon, après, je sais que vous me voulez voir jouer en anglais. Parce que vous savez que moi, la traduction... Ah oui, en effet, oui. En effet, le titre est traduit dans certaines langues en anglais. Mm. Puis je sais que vous voulez... Alors, j'ai mis en English, mais c'est quand même marqué « entrer et s'évader ». C'est une démo, c'est gratuit. Alors, râlez pas trop. Ah ! Laisse-moi te dire comment on joue. Appuie où tu veux pour commencer. Ouais, ouais, ok. La zone bleue. Eh ben voilà, vous savez, j'avais réussi à traduire bleu. La zone bleue. Et la zone réservée au point d'armure, d'accord. Prenez une carte pour gagner de l'armure. La carte carreau gagne 1 d'armure. Essayez-la. Ah, c'est perturbant, la carte carreau est en bleu. Ah, pouf. Ok. Visiblement, j'ai 2 maintenant. Oui, et après Man, each card cost... Man! Hey, man! Qu'est-ce que... Oui, je l'ai essayé. Qu'est-ce que je fais après? Ah! Mais ça, c'est pas une carte carreau, ça! C'est un trèfle, ça, non? Bon, go. Qu'est-ce qui se passe? La zone verte est réservée à l'attaque. Tout comme la zone bleue. Mais seul... Sept... Spade, à mon avis, ils ont voulu dire. Mais seuls les gains de cartes pique rajoutent de l'attaque. Attaquer. Donc ça, normalement, ça fait rien. Ah bah si, ça m'a donné 1. Ok.
D'accord, donc ça m'a donné 1 juste parce que j'ai posé un truc, mais la carte pique m'a donné 1, plus parce que c'est un pique, elle m'a donné 1 supplémentaire. Je pense que c'est ça qu'il a voulu dire. Pourquoi orange-brun pour le trèfle? En Corée, c'est comme ça. Ah, et on voit qu'il m'a infligé des dégâts. Ok. La zone rouge, elle, est réservée au point de vie. Ok. If card décor is not art, si une carte décoratrice n'est pas un cœur, alors vous ne gagnez que la moitié des points de vie. Soignez-vous maintenant. D'accord, donc là rien. Et là j'ai gagné 1 en effet. Paf. Paf. Je prends cher. Ok. À chaque tour, l'attaque et l'armure seront remises à 0. Enfin, du moins, se resetteront. 3 cartes match actives. 3 match cards actives. Ok. 3 cartes match actives des effets spéciaux. Les points de match, ainsi, ils doubleront. Point match, then it will double. Point match. Point le match, ainsi ils doubleront. Fais attention. Si je fais ça, donc j'ai 2. Mais pourquoi il me laisse pas aller ailleurs? Relou. 3, 4, 7. Ah! Ah! Ah d'accord, c'est ça qu'il voulait dire. Mets 3 cartes similaires et il y aura un effet spécial. Donc là, si je mets 3 cartes similaires, ça doublera les points. Donc là, j'ai gagné 2, 4, 6. Et j'avais 1 au départ. Non, 6 plus j'ai posé un carreau. Ça fait 7 au total. Ok, go. Voilà, donc là, il m'a rien fait. Et moi non plus, parce que j'ai pas de dégâts. Ok. Each card gains one more point. Ok. And level up. Bless card. I will tell you what is bless card later. Ah. Je te dirai ce que c'est qu'une carte bénie plus tard. Ok. C'est quoi? Si je mets le 2 ici. Ah, je peux. Une fois que c'est... Par contre, une fois qu'une carte est mise, je peux plus l'enlever. Tac. 1. 1. J'ai une ligne. J'ai plus 1. D'accord. Ok, très bien. Plus. Plus. Oula, qu'est-ce que c'est que tout ça? Avant chaque tour, tu vas pouvoir choisir une carte bénie. Points de carte bénie sont égales... Equal to you, bless card level. À mon niveau de carte bénie. C'est quoi mon niveau de carte bénie? C'est ça en haut, là? Clique pour en choisir une. J'ai choisi une carte bénie. Et... Ah non, c'est ça? Choose card first. Bah oui, bah... J'aimerais bien... Choose bless card first. Ah non! Ah non, c'est ça! Ah d'accord, non, les cartes bénies, c'est ça! Toi. Ok. Pas assez d'or. Et donc si je fais ça... Ah non, pardon. Regardez sur le côté gauche. Voici vos compétences qui vous soigneront de 5 HP mais coûtent 10 pièces d'or. Utilisez la gold card pour gagner de l'or. I just wonder what kind of person... Je me demande quel genre de personne n'aimerait pas l'or. Alors c'est quoi? Je la mets sur moi? Je la mets sur le plateau? J'ai gagné de l'or. Donc là je peux me soigner. Pourquoi ça m'a soigné que 3? Je me soigne 5? J'avais pas 5? J'avais peut-être 3 juste. Ok. Finissez le combat et entrez dans le terrier du lapin. Ok. Toi. Et donc ça, gagner 1 point de mana pour 3 pièces d'or. J'étais à 3, d'accord. Euh...
Bah, je sais pas ce que c'est qu'un point de mana. Ah oui, d'accord, il y a marqué man, mais c'est pas man, c'est mana. Chaque carte coûte un point de mana. Ah, d'accord. Donc là, j'ai 4 points, et donc je peux poser... je peux poser des cartes en question. Tac, tac. Bah, ce qui serait logique, c'est de faire ça, dans ce genre-là. Pouf. Hop. Donc ça, c'est l'attaque. Donc là, il est mort. Nique. Voilà. Prêt à rouler ? Bien sûr. Qu'est-ce qui se passe ? Ah merde ! Quel okay, terres oubliées. Le miroir. Grave Forest, Chess Room, Garden. Ok. Miroir. Les petites choses dans le miroir. Can make me... peuvent me remettre d'aplomb. Qu'est-ce que c'est que ça ? J'ai l'air plus fort dans le miroir. C'est des trucs à débloquer, ça ? Ah oui ! Unlocked... 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 Ok. Unlock 5 ! Ah, Unlocked... Putain, mais la vache. Ok, donc ça, c'est des... d'accord, c'est des améliorations. Fort bien. Forgotten Land. Alors... Choisissez votre Alice. Je peux choisir Alice ou Alice. Je me souviens... Hey. Hey. Listen. D'accord, donc la chose qui les différencie, c'est qu'il y a un skill différent. Utilisation infinie, je paye 3, je gagne 1 de mana. Elle, c'est utilisation je sais pas quoi. Swap points of left and right anchor. Il pleut. Chelou. Piocher une carte pour deux. Donc ça, swap point of left and right hand card. D'accord. Je comprends pas trop. On va repartir sur la perso de base. Go. Ah, c'est vraiment une run et tout. Mushroom. Niveau. Ne te perds pas dans le mushroom. Ne te perds pas dans le champignon. Chapitre 1. Tu regardes vers le nord-est, à n'importe quel endroit du Fairyland, tu peux trouver rapidement un grand arbre qui ressemble très portrait à un champignon. Le nom de la forêt champignon vient de... Whether there are many trees in the forest... vient probablement du fait qu'il y ait beaucoup de champignons dans cette forêt, ou sans doute aussi parce que... sans doute à cause de ce très gros arbre champignon. La raison t'est inconnue. Et tu le sais. Ok. Je kiffe les traductions. Merci. Oh ! Mon miaou ! This has been the wrong... ok, il semblerait que nous sommes au mauvais endroit, miaou ! Ce n'est pas le château de cartes, le château de la... de la reine de cœur. Et... est-ce que je m'en tamponne ? Ah oui, d'accord. Mais c'est un roguelite, en fait, ce jeu. Ok. Et donc, je choisis... Oh non, non. Oh, mais il disait que t'as été traduit. Ah ! Est-ce que je vais dans le fog ? Est-ce que je vais dans le brouillard ? La forêt silencieuse était embrumée. Ce qui rend impossible à discerner dans quelle direction nous allons. Ou alors, est-ce que j'utilise la voix mousseuse de la mousse verte, pave la voix. Des wings. D'accord, ok, des trucs qui brillent, qui apportent une petite touche de vie. Non, c'est pas. Ok. D'accord, il faut faire attention. Ça glisse. Ah oui, c'est de la mousse. Sleeping on the moss was a... D'accord, oui. Glisser sur la mousse te rappelle de très mauvais souvenirs. D'accord. Mousse 3. Oui, tout à fait. La brume, on s'y perd, tout à fait. Ou alors, Foggy Lake. Le lac embrumé. D'accord, donc c'est brume, truc qui glisse ou brume. D'accord, ok, très bien. Ce que tu vois est un brouillard épais. After the thick fog is...
Et derrière cette espèce de brouillard épais, tu aperçois vaguement un lac. Une lune pâle brille dans le ciel. Le lac, et pourtant tu ne vois dans le lac aucune réflexion. Aucun reflet, pardon. Peut-être que le brouillard est trop épais, ou alors c'est une autre raison. C'est une autre raison. Soudainement, tu sens... Ah, voilà, hein, d'un coup d'un seul, et qui te d'un coup te pousse à essayer de découvrir quel est le secret de cette brume. Alors tu avances tranquillement. Ok. Alors tu avances vers ce. Alors du coup j'imagine que je choisis une aventure. Eh ben écoutez, choisissons la voie mousseuse. Moi la mousse ça me parle. Fmousse 3. Et donc, un combat. Parce que... Ok, je vais me mettre en haut à gauche, finalement. C'est pas grave, vous avez pas besoin de voir mon or. Cochon. Oui, Piglet, un petit cochon. Ah, est-ce qu'il a un groin doré? Ou est-ce qu'à la place du groin, il a un bouton? Eh. Alors, qu'est-ce que je fais? Bah, visiblement, on est obligé de lui casser la gueule. Il va m'infliger 6. Bon bah déjà on va se... Ah bah non, faut que je tire une carte. Pouette. Bon bah déjà on va se protéger. On va se protéger même. Une fois alors quoique... Non. Une fois supplémentaire, paf, fois 2. Ensuite, fois 2 into... Into tag. Donc j'imagine que ça c'est mes HP max. 10 sur 10. Bah après on a juste à bourrer hein. Bourrer. Ah non j'ai plus d'argent. J'ai plus de points. J'achète un mana. Paf. Go. Formidable. Ah de l'or. Merci. Qu'est-ce que je peux faire? Je vais plutôt l'attaquer. Oh, nice! Coup de bol. Je vais prendre de l'or. Mais alors, comment? Donc déjà, je vais mettre un point ici. Il va m'infliger 8! Ah! Ah oui, problème, là. Je peux piocher une carte, du coup, pour 2. Ça, je le mets dans les points de vie. De toute façon, je m'en servirai pas. En vrai, c'est pas mauvais comme idée de se servir comme ça des cartes et de les placer. Il y a pas mal de petites techniques. Bon, le flop, toutes les deux secondes, c'est chiant, ça, par contre. Bon, on va faire double attaque à 4. Et puis... Ah, mais non! Je n'ai plus de mana. Donc 4. Vas-y, on va lui faire mal. Ah non, je peux pas. Ah. Alors ça, il me l'avait pas dit. Il y a un cooldown. Ça, c'est pas juste. Il y a un cooldown sur l'utilisation des magies. Donc c'est-à-dire que là, j'ai 4. Il me reste 4 d'or. Mais il veut pas que je l'utilise parce qu'il y a un cooldown sur mon truc. D'accord. Un demi. Pourquoi un demi? Je vais me protéger. Yes. Tac. 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 12. Oh my god. Eh ben regardez. Et là on va... Ah bah non. 3-3-3. Ah dommage. J'allais dire on va casser les gueules. Mais peut-être pas en fait. Est-ce que... Ok. Ok. Putain, vache. Go. Est-ce que je regagne au moins mes petits points de vie, moi, après? Ah! Je peux me soin. Je peux... Golden Card.
Ce serait bien que j'attaque un peu. Il reste 4 points de vie. Moi, je vais lui infliger que 2. Lui, il va infliger 8. Bon. Paf. Et j'ai plus de mana. C'est un petit peu emmerdant. C'est quoi ça? Ah, ça, c'est ma pioche? Ah, ça, c'est ma défausse. Ah. Bourre qu'on me dit. Bah non, parce que si je bourre, ça marchera pas. Et de toute façon, j'ai plus de mana. Parce que là, il va me figer 8, je perds 6. Là, je vais être à 2. 1. Parce que je sais pas pourquoi. Ah, c'est quoi ce truc-là? 1. Je sais pas. C'est quoi, kit? Ah, je peux... je peux refuser, du coup, de prendre une carte bénie et gagner 2 pièces. Why not? Bah là, à la limite, oui, on peut bourrer. Donc, tac. Et là, normalement, il est mort. On va voir si je suis mort aussi. Pourquoi il a pris 0? Pourquoi il a pris 0 alors qu'il n'avait pas de blocage? Ah, visiblement, ma run a duré 8 minutes et j'étais niveau 1. On recommence. La tristesse. Tu avais pas d'attaque, tu l'avais pas mis en vert. Ah merde, j'ai confondu attaque et blocage. Ah merde, quel con. Ah non, mais j'ai 1. Oh là là. Allez, attends, on lui laisse une dernière chance quand même. Une dernière chance. Juste une game en plus. Une autre. Oui, ça on l'a lu. Et oh, regardez, on a un nouveau biome. le trou de l'arbre à sport. Énorme. Oh non, vas-y, ça me fait chier de le traduire. Allez, le Foggy Lake. Un shroom blanc. Oh là, il a pas le teint Vichy Célestin. Il tire un peu la gueule. Alors lui, par contre, il inflige 6 de base. Mais c'est quoi ça? C'est quoi le trèfle là en bas? Ça, je sais toujours pas ce que c'est. Et c'est quoi le poirier japonais? If blessed card is diamond, then player's armor moins 2. Ah, il est relou son pouvoir. Des sports. Salut! Salut Frozen, comment vas-tu? Moi, je lui marraverais bien sa gueule. Ah, c'est que un 1. Donc on va commencer par gagner 2. Oh, c'est chiant le fait de... Ah! C'est méga relou. Faut vraiment atterrir sur la bonne, sur le bon truc dès le début. Hein. Parce que sinon, après, dès que vous voulez vous déplacer, c'est pas pratique du tout. Alors, j'ai 3... 4, 5, il me reste un point, 6, voilà, comme ça je bloque tout et je lui inflige 1. Et j'ai rien dépensé. Paf, voilà, c'est safe. Viens et toi? Ouais, tranquille. Regarde-moi ce jeu, il est énorme. Blocage again. Paf, c'est bloqué. Paf, c'est bloqué. Je l'attaque à 2. Ah non, c'est pas bloqué. Du tout. C'est pas grave. C'est go. Ok. Blocage encore. C'est raté. Point de vie. Hop, histoire de regagner ce que j'ai perdu. Je devrais tout bourrer en vrai. Je vais peut-être prendre une carte. Je vais prendre une carte. Ah, c'est pas ce que je voulais. C'est vrai que j'aurais dû regarder avant quand même. Je vais mettre le 2. J'ai plus de points. Je vais quand même lui infliger un peu de dégâts. Tac, moins 2.
Ça manque d'une... La musique... Jouons. Hop, 4, c'est très bien. Paf, tout est bloqué. Ensuite, bam, 3 dégâts. Je prends un point. Et bim. Et là, on le défonce. Il reste plus qu'un. Voilà. Et là, normalement, j'ai rien à faire et j'ai gagné. Paf. Nice. Et cette fois-ci, je ne suis pas trompé. Tu lui as rafraîchi la mémoire. Ah, je connais cette petite... Qu'est-ce que c'est que ça? Choisissez une carte. Un cœur, deux de carreaux ou une poubelle. Recircle. Ah, c'est pour re-encercler. Mais pourquoi il y a des fautes partout? Ah, ça doit être, c'est fait exprès, c'est pas possible. Mettez la carte dans la pile de... Ouais, c'est pas une défaut, c'est la pile de déchets. Et là, il y a un petit truc, il y a un truc lucky. Le truc lucky, ça fait que je pioche une carte, d'accord. J'ai un nouveau skill. Pourquoi il a changé le truc? Lightning, Thunder, Damage, Double Up. Ok. Donc quand je l'active, en fait, je double mes dommages. Très bien. Not your turn. Évidemment, je dois choisir un truc. Oh, je comprends rien. Allez, toi. Savais-tu que manger des champignons dans les autres jeux pouvait te faire gagner une vie? Restons bienveillants. Qu'est-ce que c'est que ça? Si je fais oui... Oh, quel dommage! Non, bon... Je vais pas cracher non plus toutes les deux secondes. Mais bon, on a bien vu que c'est une démo, qu'il y a encore beaucoup, beaucoup de choses à faire, et que là, le nom est redevenu chinois. Mais pourquoi c'est marqué en chinois? Quand je demande à traduire en français, il me fait un mélange de portugais et de coréen, et le titre n'est pas traduit en anglais, mais il reste en chinois. Oh là, oh, c'est compliqué. Bon, The Forgotten World, on l'a vu, c'est un concept. Il ne demande qu'à être travaillé et peaufiné. Travaillé surtout, parce que là c'est pas encore bien fini. Mais bon, ma foi, après, j'ai envie de dire, si on lui rajoute un peu d'animation, un peu plus de rythme dans le jeu. Comment dire? Au lieu d'avoir des gros cartons de texte, peut-être pouvoir agrémenter ça avec des animations, ou proposer ça autre chose que par des cartons, mais par des chemins, je sais pas, sur une map. Voilà, il y a plein de choses qui pourraient être faites beaucoup mieux et moins chiant. Donc, il n'est pas entièrement à jeter, mais il est clairement pas terminé. Voilà. Donc, bah écoutez, c'était un test de toute façon. C'était une démo, hein, c'est un prologue, comme il le dit. C'était du coup le monde oublié. Écoutez, YouTube, n'hésite pas, du coup, si tu veux le tester toi, de ton côté, il est gratuit. En tout cas, cette démo est gratuite sur Internet, sur Steam, pardon. Et si t'as aimé, évidemment, cette vidéo, n'hésite pas à partager, à mettre un commentaire, à mettre un pouce. Donc, j'ai 20 doigts, je te fais pas mon doucher à la prochaine. Ciao.